tous, je reviens vers vous pour une vidéo, j'espère que vous allez bien. Vidéo tirage de cartes pour les énergies de la semaine du 23 au 27 août 2021. Donc, je vais prendre pour ça le tarot des cristaux, que j'aime beaucoup parce qu'il est très coloré et avec affirmation positive. Donc, il y a beaucoup de choses qui veulent venir là déjà. Je sais que la paix reviendra, on est avec le 6 d'épée, d'accord, et la carte des amants. Vous avez tranché et il se peut qu'il y ait un peu de remous. Alors, tranché par rapport à la semaine dernière, hein, je vais essayer de rester sur cette semaine-là. Je vais couper, hop, l'empereur, on est sur les énergies, l'énergie masculine, l'empereur, celui qui reste droit dans ses bottes, voilà, c'est ce que je vous dis à 2 minutes, vous avez triché, vous avez, décidé, et c'est temps de garder ce cap-là. Pour ma part, ce que je fais, c'est que je vais diffuser une vidéo tous les jours, mais en réalité, si vous voulez, les énergies que, les vidéos que je dépose, sont faites les unes après les autres, donc c'est des années de la semaine, bien détaillé et je donne des détails au fur et à mesure. Donc là, ça va être, je vais vous donner un aperçu, mais les vidéos suivantes sont importantes aussi parce qu'elles vont approfondir un point qui en fait n'est pas, comment dirais-je, limité à une journée. Il peut très bien être décalé dans la journée. C'est voilà, c'est quelque chose qui est à savoir. Qui vous permet de voir un petit peu ce qui va se dérouler dans la semaine. Donc ce que je vais faire, c'est pas comme cette semaine-là, je vais les déposer directement et vous vous servirez, entre guillemets, comme vous voudrez. C'est-à-dire, ce sont des compléments d'information. Je ne mettrai pas forcément de jour. Mais par contre, je vais bien préciser que ce sont les énergies de cette semaine-là. C'est-à-dire que je vais faire une autre présentation. Alors, je prends une décision responsable. Voici la carte de l'empereur. Et la grande prêtresse, mon intuition me guide vers la vérité. Vous sentez que les choses sont à peut-être réajuster, quelque chose qui vous dérange, mais pas dans le sens où vous avez tout changé, quelque chose qui vous dérange. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs, mais quelque chose qui est à affiner. Voilà. Je prends une seule carte maintenant, ce sont les deux là. L'empereur qui revient et le 9 de denier. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Voilà, c'est-à-dire que, ok, on lance ses projets, mais on prend aussi le temps de se ressourcer. Donc, maintenant, je vais prendre le Normand, qui est juste là, pour approfondir avec le tableau de 9 cartes, le pouvoir personnel, j'aime beaucoup aussi, et message de ton âme. On coupe la femme, la solution, la sensualité, la femme qui trahit, la femme qui est dans ses désirs et la solution. Ok. Hop, première carte, deuxième, troisième. Je les prends toutes à l'endroit. Au dos deck, c'est l'information, le message, la lettre, la transmission. Alors, au centre. Et vous allez devoir décider, d'accord, c'est ce qu'on dit avec l'énergie de l'empereur, donc on continue. Par rapport à ce que vous allez apprendre, vous allez avoir des nouvelles. Dans votre mental, vous avez, comment dirais-je, des informations, donc c'est important de les prendre, et de garder confiance. Le but à viser, c'est la foi, garder la foi dans cette situation, pour cette semaine, parce que vous allez recevoir un cadeau, mais peut-être que vous avez du mal à le prendre, apparemment à cause d'un manque de communication.
Et vous avez de la chance parce que vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien. Voilà. Vous êtes serein. C'est quelque chose. Vous avez le temps de réfléchir. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Vous avez le temps. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la précipitation. Et vous avez toujours des synchronicités, des choses qui arrivent. Donc, fiez-vous, gardez confiance. Dites-vous que ce que vous avez à savoir, vous le saurez, et ça vous permettra de trancher par rapport à votre situation, par rapport à ce qui, à ce qui vous tire l'upine. Et les choses arrivent, bougent vite. Le message va vous arriver et ça va vous surprendre. Voilà, quelque chose qui va vous surprendre cette semaine. Mais soyez serein parce que vous avez, comment dirais-je, les astres sont de votre côté quelque part, hein. Message de ton âme. Patience, hein. C'est aussi ça que j'entends, c'est qu'il faut patient, faut être patient par rapport au message, par rapport à ce qu'il y a à savoir, par rapport à la connaissance. Alors, le message pour cette semaine, soufflez, souffle ta vérité, on avait déjà le mot vérité tout à l'heure, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. C'est vraiment là, ici, ce qu'il y a le travail à faire, c'est de partager, d'écrire les projets et se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assaillir, comme si la chance t'avait quitté. Vous voyez, il y a garder la foi. Hein. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, ici. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Voilà, on est sur le chiffre 3 quand même, donc c'est l'énergie christique. Se protéger et faire confiance à la vie, c'est-à-dire que le message, ce que vous avez besoin de savoir, ce que vous avez besoin de partager, faites-le en toute confiance, ça va très très bien se passer. Et pour terminer quand même, quelque chose de très très important, c'est le pouvoir personnel. Alors, pour la semaine, puis je ne l'utiliserai pas pour les autres jours, mais pour la semaine, sur quoi je me concentre pour quand même faire, me permettre, m'autoriser à partager, à communiquer, à faire vibrer les projets, à insuffler une bonne énergie pour ne pas développer l'énergie de colère quelque part. Hein. Il y a vraiment, si vous avez décidé de garder votre calme en toute situation, c'est important de, voilà, de garder ça et de communiquer ça. Je suis authentique. Voilà, c'est ce que je vous dis. S'il y a quelque chose qui vous met en colère, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est important de signaler. Voilà, je suis authentique. Je suis authentique. Je me libère du superflu. Il y a des choses dont vous, franchement, vous n'avez pas besoin. Souffle ta vérité. Dire ce dont on a vraiment, vraiment envie et vraiment besoin. Il faut partager, il faut communiquer, c'est obligatoire pour pouvoir recevoir. Ce qui nous est dû. Vous avez tous les signes là qui sont favorables. Faites confiance à la vie, vous serez entendu. Voilà. À bientôt.